ASMR. On se retrouve sur la seconde vidéo sur Dragon Ball Xenoverse. J'ai ici le même personnage que lors de la vidéo précédente. Seulement j'ai un petit peu modifié et ses attributs et son style pour un look plus classique de Saiyan. Mon personnage est level 80. Et on va faire ensemble la saga Freezer. Du moins ce qu'on peut en faire, puisque comme vous avez pu le constater dans la vidéo précédente, malheureusement, certaines scènes sont bloquées avec le bouton share, de façon à éviter les spoils, etc. Donc je pense qu'on ne pourra faire sans doute que le début de la saga, dont je compléterai peut-être avec des parties de la saga Cell. À voir. Donc, c'est parti. En 762. On voit Krillin et Vegeta au sol. Et Sangohan qui est dans le mal. Quelle force. Je ne sais pas si je peux te battre même à pleine puissance. Je dois juste tenir un peu plus longtemps. Waouh. Là, il a pris cher Sangohan. D'ailleurs, vous avez vu, il est déjà en forme finale, Freezer. Je n'en peux plus. Il va pour tuer Sangohan. Sangoku est arrivé pour sauver son fils. Sauf que il n'est pas complètement rétabli. Ce qui veut dire qu'il est pas suffisamment fort pour combattre Freezer. Tu crois vraiment pouvoir gagner dans ton état? Mince, trop tôt. Freezer, il est tellement puissant qu'on l'appelle l'empereur de l'univers. Je t'en prie, fais attention. En 762. Oh la tête, Vegeta. Félicitations, tu as brisé mon rêve de vie et de jeunesse éternelle. J'étais si près du but. Mais les boules de cristal se sont pétrifiées. C'est dommage pour ce pauvre Vegeta. Mais encore plus pour moi. C'est la première fois qu'on sait autant jouer de moi. Comment oses-tu? Vous allez le payer très cher, Vermine. Je vais vous torturer lentement. Quoi? Ah, j'arrive à la rescousse. Vous êtes encore là? Comme des mouches sur un pot de miel. Très bien, je vais tous vous tuer. Ouais, c'est ça, ouais. C'est parti. Ça devrait pas être un problème. Parce que je vais battre Freezer sans aucun doute. Parce que j'ai un niveau vraiment élevé pour lui. Je suis déjà un super Saiyan. Vous tenez tant que ça à mourir. Attention, je peux me transformer encore 3 fois. Vous allez voir. Alors ça, c'est un moment qui me fait rire dans Xenoverse. Il dit ça, mais en fait, il se met directement en forme finale. Genre,
ça, mais en fait, ça sert à rien ce que je dis. C'est pas grave. Un petit coup de taille. La super attaque, le barrage taille de. Vegeta qui prend cher. Très cher. Là, je suis seul face à Freezer. Ah, j'ai déjà la téléportation, comme vous voyez. Je vais lui faire une absorption. Attaque ultime. Oh, il a presque tué Piccolo. En un seul coup. Impressionnant. La super absorption qui est une très bonne attaque en... pour le PVP contre d'autres joueurs, puisqu'elle permet de récupérer de l'endurance ou plutôt d'en voler. Donc ça, j'adore. Piccolo va être KO. Mais on a eu Freezer. Il y a Sangoku qui arrive. Allez, on continue. Je vais lui faire un canon Garrick dans sa face. On va se téléporter plus près de lui. Ah, bien joué. Ah, il m'a touché. Il m'a fait quand même des gros dégâts, vous avez vu. Il m'a fait mal. J'ai esquivé. Pas encore. Encore esquivé. Je vais lui refaire une super absorption. J'ai loupé mon canon Garrick. Ça fait mal, qui dit Freezer. Tu m'étonnes. Fallait pas être méchant, hein, mon gars. Et il a contré mon attaque. Il a plus beaucoup de vie là. On va l'avoir. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer. Un petit Genkidama qui va bien. Donc il va falloir qu'on occupe Freezer pendant le temps du Genkidama. Ce qui sera pas un problème. On va éviter son attaque ultime. On va lui mettre la pâtée. Ah, bien joué. Il s'est repris. Je vais me téléporter. Ah, il m'a enchaîné là. Oh, mais c'est qu'il me fait mal. Allez, Super Saiyan. Là, c'est fini de jouer. On va lui faire un choc volcanique. Parfait. Ah là, il est en colère. Genkidama dans sa face de Freezer. Fallait pas être méchant. Fallait pas. Victoire. Bon, j'ai pas très bien joué. J'ai pris beaucoup de dégâts, je trouve, par rapport à mon niveau. C'est pas grave. Ça a rendu le combat plus intéressant. Donc là, ils pensent en fait qu'ils ont vaincu Freezer. Mais comme vous le savez, ce n'est pas le cas. Notre personnage s'est caché. Et Freezer
Se transformer Super Saiyan. L'image culte. Ça, c'est un moment hyper culte, peut-être même le plus culte de Dragon Ball Z. Je dirais. Ah, c'est Freezer, là je suis vraiment énervé. Il va lui mettre une dérouillée. Ce moment-là, c'est vraiment hyper classe. On vient de protéger Sangohan et Piccolo. Et nous aussi, on va participer au combat. En Super Saiyan, on va lui faire un petit choc volcanique qui lui fait des très très gros dégâts et un barrage Dai Dai Dai. On va se téléporter et on va lui faire une super absorption. Et un canon Garrick pour finir. C'est Sangoku qui l'a eu. Je ne pense pas qu'on puisse voir la dernière partie, ça risque d'être bloqué, mais on va bien voir. Ah si, on peut la faire ensemble. Parfait. Attention, voilà ma puissance maximale. Dans 5 minutes, cette planète ne sera plus qu'un déchet spatial. Dans 5 minutes me suffisent pour te vaincre et m'échapper. C'est sûr que c'est 5 minutes. C'est comme 5 minutes dans l'animé, c'est-à-dire 3 heures. Ça va largement suffire. Bon, je vais quand même me transformer pour la forme. Parce que. Y a pas de raison que Sangoku qui soit. SSJ, moi aussi. Je vois Kaio s'est servi des boules. D'accord. J'ignore qui tu es, mais merci de ton aide. Mais je veux en finir moi-même. Merci. C'est bien le genre de Sangoku de refuser de l'aide.
Sangoku a gagné, l'histoire a finalement repris son cours normal. Je suis très content que Mira ne soit pas intervenue. Oui, ces deux-là ne se sont pas montrés. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Ils nous supprimeront si on intervient. C'est ce qu'ils ont dit, non? Pourquoi ne sont-ils pas montrés cette fois? Qui sait? Ils n'étaient peut-être pas sérieux. Je l'espère en tout cas. Beau travail tous les deux. Oui, merci. En 767, on attaque la saga Cell. Sangwan qui en galère. Sangoku assis d'ailleurs. Ça ne devait pas, il dit. Tu refuses de me montrer ta vraie puissance. C'est dommage. Effectivement, ça devrait pas se passer comme ça. Moi, je suis vraiment content qu'on ait pu faire la saga Freezer ensemble en entier. Ça, c'est génial. On va faire le début de la saga Cell. Satan Hercule. Qui prend cher. Mais on vient de le sauver de la mort en l'assommant. Hercule qui est un personnage certes ridicule. Ouh, ça va pas la tête. Je l'avais presque, Cell faisait ses prières. Ne me vole pas la vedette. Mais très 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 important puisque l'univers est sauvé en partie grâce à lui, pardon. Pendant la saga Pou, à la fin. Au moment du Genki-Dama, puisque c'est lui qui demande au peuple de la Terre de donner l'énergie à Sangoku. Alors qu'il refuse quand il le demande lui ou quand Végéta le demande. Donc s'il n'était pas là, ils n'auraient pas eu la force de détruire Pou. Et du coup, l'humanité aurait été perdue. Donc là, on va bouillir Cell. C'est vrai qu'il faut pas que Satan y meure. On va faire notre attaque ultime avant qu'il meure. Parce que là, il est pas loin. Donc on va l'avoir comme ça. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, c'est bon. Vous allez voir, c'est rigolo là. En fait, Hercule Satan, il devient un peu comme possédé. Arrête de te mettre dans mes pattes. Et il devient un guerrier.
super fort. On va devoir se battre contre lui. C'est parti. Donc Sangoku, il se bat contre Cell. Et nous, on va se battre contre Satan. C'est parti. Déjà, vous voyez, il peut faire des... Pas des boules de feu, quoi. Loupé. On va essayer, voilà, de lui faire une super absorption pour lui voler un peu de l'endurance et lui mettre une boîte au corps à corps. Et on va lui faire un canon garrick, mais il s'est protégé. Se battre là, il fait que fuir. J'en avais pas un souvenir comme d'un ennemi aussi compliqué. Je sais pas, parce que c'est peut-être parce que je suis pas concentré aussi. J'ai l'impression que je joue vraiment mal. Donc j'en suis désolé. Merci à tous pour votre soutien inconditionnel.